Les équipes nationales d'armes et messieurs de rugby à 7 seront bel et bien présentes à Bujumbura du 12 au 13 mars 2022. Après une petite grève ce 10 mars devant le ministère des Sports et de l'Éducation physique, l'ensemble des parties prenantes se sont accordées pour permettre à ces athlètes d'aller défendre les couleurs de leur pays et ainsi éviter une autre suspension. Une bouffée d'oxygène pour les principaux acteurs et membres de la Fédération camerounaise de rugby qui, après plusieurs semaines de gros efforts sous le soleil et la pluie, méritent d'être encouragés. C'est donc un retour à la sérénité au sein de ces deux tanières qui quittent Yaoundé ce 11 mars en destination du Burundi pour disputer le tournoi qualificatif à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique des Nations et aux Jeux du Commonwealth. Trois compétitions auxquelles les rugbymen comptent se donner à fond pour satisfaire les efforts des uns et des autres. Plus de peur que de mal, la balle ovale sera de la partie.